Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, j'ai pas trop snappé. Je me préparais tout ça tranquillement. Il y a Tchoula qui pleure. Et voilà. C'est qui? C'est qui Tchoula? Pour faire le tan, pour garder mon bronzage avant d'aller à Dubaï. Et ensuite, on va aller voir les chevaux. Donc ça fait trop longtemps. Je vais pas monter aujourd'hui, mais en tout cas. Parti, on va refaire le tan pour reprendre des couleurs. C'est pas le tan, c'est le sun. Anaïs va me tuer si j'ai encore le tan. Mais voilà. T'attends ton épilation là? Ouais. Tu veux te faire épiler? Tu veux te faire épiler ma fille? Ouais. ليس فكراني ولا نسياني بليز تيل مي ناو زعلاني زعلاني زعلاني. Alors, on retrouve Anaïs et Tchoula. La première fois qu'elle voit des chevaux, Tchoula, elle est comme une ouf. Elle grogne dès qu'elle en cheval. Alors là, ça fait plus d'un mois que j'ai pas vu Hermès. Bonjour Hermès. Ça va? Ça va? Allô mon amour, coucou mon bébé. Attends. Tranquille hein bébé. Tranquille Hermès. Pas le fou. Mais tu vois, c'est souvent des fois quand on est vers la route. Tchoula elle en panique. Elle dit c'est quoi? Ça va, elle me fait pas trop marcher dans la boue. Oh non mais genre là je vais te voir là là. Mais t'es... Non mais c'est une blague, elle me dit mais... Vas-y. Inga. Hermès. Oula, elle est pas rassurée, je crois. Il y a pas un nez qui coule comme ça là. Dégueulasse. Alors après l'effort, et ben c'est le réconfort. Où ça? Au bon accueil à Villemamboubé. Voilà, c'est le bon accueil et c'est vrai qu'on est super bien accueillis. Et regardez, j'ai une petite vide. Il est beau. Hein. Il est beau. Hein. Et là, tu sais que vraiment, t'arrives dans la période de grand froid. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, pour ma part, c'était hyper bien. Donc, j'ai vu Hermès, le cheval, c'était grave, grave froid. Je n'étais plus habituée à ce froid. Le nez qui coule et tout. Enfin, c'est une cata. J'ai quand même hâte de retourner. Sarah, tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. Je vous avoue que j'ai pris énormément de poids. Enfin, énormément. Tout est relatif. Hein. De poids pendant le tournage. Je grignote toute la journée. Et quoi? Des croque-monsieur. Je trouve que ça va, je suis pas sur un gros ventre. Moi, je trouve que j'ai perdu comme une meuf qui avait grave faim. Voilà, donc j'ai pris un... Donc, il y a plusieurs goûts. Moi, celui-là, c'est un de mes goûts préférés en ce moment. En plus, c'est un des derniers goûts. Pour vous dire, il était en rupture de stock. Ils l'ont remis. Donc, pour vous dire comment ils cartonnent, ils ne savent pas. Un Fit Natural Mojo, ça remplace un repas. C'est un substitut d'un repas. Ce qui est génial, c'est que, par exemple, vous voulez garder votre ligne. Vous allez remplacer un repas par... Vous allez remplacer donc deux repas par jour avec le Fit. Par contre, si vous voulez faire comme moi, Fit donc en substitut d'un repas par jour. Donc par exemple, moi le repas du soir, ce soir je vais pas manger. Là il est déjà 19h, donc moi je vais et je commence à aller. Après vraiment faites attention. Si à côté vous faites n'importe quoi, vous mangez tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien. Faut bien évidemment, c'est encore mieux. Je vais vous montrer comment le préparer. Le repas est prêt, donc je vais goûter. C'est trop bon. Si vous aimez tout ce qui est saveur noisette, moi, je vous conseille ce d'autre, comme je vous ai montré. Moi, en tournage, j'avais pris aussi celui à la coco. C'est ma passion. Enfin, voilà, il y a plein. Il y a plein d'autres goûts et c'est une tuerie. Ça y est, mon est prêt et tout ça, dites-vous, ça va me caler comme si j'avais mangé un repas. Cool,
ça y est, moi, mon repas est préparé, je vais le finir. Moi, je voulais vraiment vous partager mon chouchou. Et aussi, je voulais vous dire si votre commande, en fait, est à partir de 49 euros. Donc, Sarah 30, moins 30% sur toute la boutique Natura.